Et c'est reparti, on poursuit notre aventure sur Pathfinder Kingmaker. On continue d'explorer avant d'aller dans la forteresse du Seigneur Serre. On vient de combattre un tigre-garou. Qui nous a pas spécialement posé de challenge. Ouais, il a fait quand même quelques... Il a mis quelques baffes sympathiques. Hein. Mais à part ça, c'était plutôt... Enfin, comparé au rat-garou. Donc si le tigre-garou... Attends, c'était bien tigre-garou? Non, c'était un truc comme ça. Si le tigre-garou est facile comparé au rat-garou, ça veut dire que, vu qu'ils sont tous les deux garous, la différence est tigre-rat. Donc, un rat est plus fort qu'un tigre. Moi, je pense que c'est... En plus, il était supérieur et les rats-garous, ils étaient même pas supérieurs. Ouais. Il était peut-être juste hautain, hein. C'est peut-être juste ça. Hein. Peut-être qu'il était, voilà. C'était peut-être un tigre-garou hautain. Ok. Ça dépend de leur level tout de même. Merci, monsieur Rabat-Joie. Hein, des fois que mon explication soit une véritable explication. Allez, on continue. Ah, on a découvert un nouvel endroit. Oh là là. Infiltration. On a réussi à échapper à leur attention. XP. Du coup, le cafard garou doit être super fort. Ouais, le cafard garou, celui-là, à mon avis. Hop. Et 2-1. Et le 2. Et le 3. Ah, parfait. C'était très très bien. Merci beaucoup, les kobolds, d'y avoir cru. C'est important de continuer à y croire, d'avoir de l'espoir. Bon, là, ça vous a tué. Salut Jean Bobois. J'ai presque eu du mal à dire ton pseudo, dis donc. Hop. J'en profite pour rappeler à ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai changé l'affichage de la page du live hors stream. Alors ça, à mon avis, ça va mener à la forteresse. Là, je vais pas pouvoir y aller. Ça doit être la fameuse brume. Ça m'emmène à la forteresse. Donc on va remonter. Alors comment je peux aller à la clairière des terres sauvages? Hop là, ça va faire... Yep. Ouais, ils sont fatigués. Oh bah non. Ah, ils sont tous fatigués. Infiltration. On est fatigué. Est-ce qu'on va réussir quand même? Ouais, on a réussi. Est-ce qu'ils ont mis une tarasque pour le LOL? C'est quoi une tarasque? Salut, Trandred. Tu joues en quelle difficulté, Anariel, qui dit à force de gagner des niveaux, on trouve le jeu trop facile. Alors, là... Oh, des gobelins! On avait déjà vu des gobelins? Alors, on a vu un gobelin. C'était ça, l'embuscade? Il y en a d'autres ou t'es tout seul? Ah, Antoine. Aïe! T'as pas honte? Aïe! Non, mais c'est pour ça que ce jeu, il me rend dingue. Regardez le nombre de miss sur un pauvre gobelin. On est 17 sur le gobelin, quoi. C'est... Ils ont un peu fumé là-dessus quand même. Il y en a d'autres ou c'est tout? Bon, bah c'est tout. C'était totalement épique. C'est le jeu du miss, c'est ça. Alors, un arc classique, même pas un truc que je peux ramasser, quoi. Alors, c'est en difficile aussi. Oh là là. Du coup, voilà, c'est bon. Non, ils sont fatigués. Ok, annulé. On se repose.
Tout va bien, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir faire dodo. Oh, mais t'es on fire de la cuisine. Allez, on y va. Voyons voir ce que nous réserve cet endroit. Ah, tout ça déjà. Ok. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. C'est pas une grande zone. Ah, un loup de la meute de silence. Silence, ça tourne. Ouh, il y en a plusieurs. Faut que je lui enlève ses sorts parce qu'elle les a plus après. Ok. Et ça se loot cela? Non, ça se loot même pas. Ok. Bon. Il y en a bien d'autres quelque part. Ah. Let us strike as one. Can you make an epic pose? I need inspiration. Allez, le duel Philippe contre... Oh, joli le 9. Oh, voilà. Ah, ceux-là, je peux les looter. Pourquoi je pouvais pas looter les autres et ceux-là, je peux les looter? Mais les autres, ils ont explosé. Il y a peut-être les sorts qui déterminent... Si tu peux loot ou pas, si tu les détruis trop, je sais pas. Oh, il y a un endroit où rentrer, ça par contre c'est intéressant ça. Et on a trouvé des coquillages. Ah, tombe bien, j'avais plus de papier. Alors. Donc avant de rentrer, on va continuer de se balader. Voir s'il n'y a pas des choses à découvrir. S'il n'y a pas d'autres petits loups perdus. Vas-y, il n'y a même pas un petit objet caché, il n'y a rien du tout. The path is clear. Tu es level 4, ce qui veut dire que sans bonus, tu touches sur un 16, une CA 0 avec un combattant. C'est tellement la tristesse. Alors, on a trouvé un fer à cheval rouillé, une meule, une écaille brillante et... Quand tu overkill, ça explose et c'est plus lootable. Oh là là! Ça interdit des mécaniques comme ça. Et là, je reviens là, donc il n'y a rien. Ok, bon, on va rentrer dans ce... Dans cette grotte. Elle est où la grotte, d'ailleurs? On va sauvegarder juste avant. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Who will prevail? Does it matter? Voilà, comme ça on fait tanker. Notre tank. Je peux même te faire frapper ici. Ah d'accord, toi tu t'es comme ça toi. Oh le coup critique à 18. Allez-y. Pauvre petit loup qui a rien demandé. Pour l'instant, tout va bien. Il doit y avoir un plus gros loup quelque part, j'imagine. Peut-être pas. En tout cas, il n'y a pas de cadeau pour le moment. I'm not afraid. Voilà, on les laisse avancer. Tear them apart. Ah non, il est juste au sol. J'ai rien dit. Oh là là! Oh non! Oh non! The end draws near. Just letting the ink dry. Yes. C'est bon. C'est mieux. Il est quand même en mousse, mon léopard.
Bon, où sont les cadeaux? Et où qu'il est le boss? Oula! C'est un louveteau. Bon là par contre ils sont beaucoup beaucoup plus. On va juste se déplacer ici. On va bien évidemment mettre ça. Et voilà, c'est bon. Et là on y va. On est en train de tuer des pauvres louveteaux. Oh là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ah, c'est la panique! Fallait pas tuer ou toucher au petit! Fallait pas toucher au petit! Oh là là! Ok. Bon, maintenant qu'on le sait. Le loup a mangé l'elfline, oui. Tac, 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 tac. Avançons jusque là. Voilà. Allez-y. Frappez-moi tout ça. Et vous trois. Allez là-bas. Toi. Oh, tu vas pas pouvoir aller là-bas. Ah, si tu peux. Oula, 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 oula. Toi, à la limite, tu peux peut-être tanker pour une fois. Je te sens bien, toi. Je te sens chaud, là. Aïe. Ah. Ah, mais non, tu te fais... À mon avis, tu vas te prendre une attaque d'opportunité, mais on sait jamais. Sûr. Bon, c'est pas grave. Tu es juste mal. Tu as juste mal. Amiri qui se fait aussi bien maltraité. C'est pas grave. Just a flesh wound. Just a flesh wound. Mais vous êtes plus dur. Hein? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous étiez tout facile à tuer, là vous êtes dur? Parce que vous êtes beaucoup peut-être? Ouais, maintenant à mon avis ils me font plus rien. Mais je leur fais peut-être plus rien non plus. Ah mais il y a l'alpha. Ah. Mais c'est ça, il y a un boss dans le tas. Serves you right. Let us strike as one. Oh, c'est PGM, je trouve, le fait de faire tomber. Attends, je veux juste voir un truc. Ah oui, tu le tues carrément. Je veux juste voir quelque chose. Allez-y, quand vous voulez. Oh, mais tuez-le, ça veut dire. Ah, mais il est loin de mourir, en plus. Il est loin de mourir. Ah, là, par contre, il nous l'a tué. Bon, c'est pas grave. Ça change pas ce que je voulais voir. Voilà, vas-y. Bon, elle est vraiment morte. Je vais être obligé de recharger, quoi qu'il arrive. Ah si. Ah quand même. Oh il l'a mis au sol. Ah échec de l'attaque d'opportunité. Ah bah tu l'enchaînes bien là, dis donc. Il a pas touché pour le moment. Elle est pas buffée, hein. Elle est pas buffée. Vas-y, j'ai un bouclier de la foi. Prendre mes autres popos.
Fais voir. C'est quoi la CA? Ça donne quoi? 24. 24. Donc il faut que je fasse un. Ah, mais je peux le toucher ou pas sur un 20? Sur un 20, ça passe ou ça passe pas? Non, je pense que j'aurais fait un 20 déjà depuis le début. Hein. Oh, si, j'ai fait 9! Oh là là! Alors, t'as fait combien? Donc, ouais, t'avais fait un 20. 20, c'est auto-hit? D'accord. Ah, je dis, on peut l'avoir. Ça va le faire. Non, j'ai un personnage qui est mort de toute façon. Ok, bon, j'ai vu ce que je voulais voir. En effet, avoir un tank qui tank pour de vrai, c'est pété. Bon, on va refaire la même, mais en se buffant. I'll go ahead. Oula. Un petit peu dangereux ça. Ok, c'est parti. Des loups. Des loups comme ça, c'est neutre ou c'est mauvais? Ça doit être mauvais, non? Ah, oh, je sais pas. Mais c'est cute, ils protègent leurs petits. Mais qu'est-ce que je fous là? Hein? Pourquoi je dois tuer ces petites bébêtes qui n'ont rien demandé à personne? C'est neutre? Oh mince. And Lindsay was called forth. Tac, 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 counts on me. Tac, 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 tac. Voilà, on a un bon tank. On va déjà caster ça. Voilà, on va faire un petit F5 pour sauvegarder. On va faire tac sur Amiri. Tac, tac sur moi. Ok, je vais continuer de caster des trucs sur moi. Voilà, là on est bon. Ici j'ai rien à caster. Ici j'ai rien à caster. Et là j'ai juste à me transformer. Ok, bah c'est parti. Okay. On va les faire s'arrêter et toi on va te faire avancer juste toi. Ok, maintenant. Ok. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Et toi tu vas là. Toi. Ouais, c'est bien. Ah non, pourquoi vous faites le tour par là? Tout va bien. Tout est normal. Une fois que c'est fait. Vas-y, Amiri. Vas-y, vas-y. Ok. Là. On va aller tanker ici. Oh non! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à moi? Vas-y, continue ici. Vous aussi, continuez de tuer celui-là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Ah non! Il s'est fait avoir. Qu'est-ce qu'il fait l'alpha? Non, c'est bon. Ok. Bon. Oh, le 29. Ok, là, on va faire ça. Oh non. Oh, cette compétence relou. Genre, vous allez pas me le tuer. Hop, hop, on heal, tac. Refais-moi un heal directement sur Amiri. Refais-moi un heal aussi dessus. Tiens, toi, il te reste une boule de neige. Je sais pas ce que ça fait, mais test. Ok, ça c'est bien. Tac, le prêtre va changer sur le bouclier. Et après, vous allez me frapper celui-là. Ouais, c'est bon. Ok. Reviens en arrière, repasse à l'arbalète. Voilà, et là. On tue celui-là. Bon, malheureusement, on a perdu. Ah non!
Bon, ce sera plus long. Du coup, est-ce que je peux... Non, je peux pas. Alors, est-ce que t'as des spells qui marcheraient mieux? Genre ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? This is for you. Silence de givre. Échec. Échec pourquoi? Parce que 16 plus 3. Ouais, ça peut le faire, ceci dit, ça a l'air d'être plus simple. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, mais je vais pas y arriver, ça se trouve. Ah, j'ai touché. Vas-y, on va essayer de le submerger avec des invocations. Je suis sûr que ça a très très bien marché. Oh non! Mais d'où attaque d'opportunité? T'as plein de gens sur toi et t'es tourné. Pourquoi tu me fais une attaque d'opportunité? Ok. Ok. Refais-moi un petit le classique. Et on va les frapper. Après, je sais pas où est Amiri. Mais je propose de bourriner. Oh, l'attaque sournoise. Allez, vas-y. C'était bien. C'était bien. Attaque d'opportunité avec la queue. Oh, après, un petit coup de patte arrière, par exemple, ça peut se comprendre. Ouais, on dirait que ce sera déjà pas mal. Toi, il te reste quoi? Zéro sort de soin. Toi, reviens en humain. T'es en humain? Non, t'es pas en humain. Hop. Et fais-nous des petits sorts de soin sur Amiri. Le druide Crane transformé en loup a vaincu un alpha pour prendre possession de la meute. Non, que des morts, c'est ça. Ça, ce serait des mécaniques très intéressantes. C'est le fait que, par exemple, là, t'as plein d'ennemis. Imaginons que j'arrête de taper tous les autres et qu'on tue l'alpha. Et qu'au moment où tu tues l'alpha, t'es tous les loups qui fassent... hop, un trésor. Il y en avait un qui s'appelait trésor. Tout prendre. Ok. Que tous les loups s'arrêtent et du coup, que tes possibilités, ce serait très rigolo, ça. On a trouvé une faux. Alors la faux, on sait pour qui ça pourrait être. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette faux? Ah bah je pense qu'on le voit pas, on le verra dans notre inventaire. Et on a un parchemin d'imprécation et un truc aux F. Sur certains combats, ça le fait. Ah, nice. Donc c'est juste, elle est plus ça en effet. Et ça, on en avait déjà. Ok. Vas-y, un petit truc caché. Un petit... non. Ça s'est un peu fait dans la douleur, quand même. Hop. Mais petit à petit, j'utilise de plus en plus de sorts, de trucs comme ça. À un moment, je ferai des vrais fights où je jouerai mieux. Le druide a une compétence pour améliorer l'attitude des animaux dans le jeu papier. Ici, je sais pas. Je sais pas non plus. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Hop. Mais je joue quasiment pas avec les sorts qui peuvent... qui font du crowd control. Je pense que c'est une grave erreur, mais le truc, c'est que tu mises tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc si c'est pour balancer des sorts que tu peux balancer 3 fois par jour et voir que résiste, 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 ça me donne même pas envie, en fait.
C'est ça le souci. Je trouve vraiment qu'ils ont abusé là-dessus. Mais bon, c'est les règles. Là, ça me fait remonter ici. Ok, on va continuer vers le bas. Je continue mon exploration. Je pense que tu vas me dire pareil. Continuer. On fait demi-tour. Ok. Alors, on a trouvé une zone. On va se reposer. Réussi, réussi. Ah, ça y est, on a enfin raté la cuisine. Ça faisait plusieurs jours que c'était bon. Là, d'un seul coup, c'est pas terrible. Ok, allons visiter l'endroit. Je vais pas regarder où on en était les levels, mais je crois que je suis loin. Je crois que je suis très très loin du level 5. On est presque à la moitié. Bon, ça m'étonnerait qu'on soit level 5 avant le fight du Seigneur Serre. Le jeu doit être fait pour que tu le fasses level 4, j'imagine. Donc là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, ça? Des Odslovum. Bon, on va dire que c'est bidon, ça. Oui. Ok. De la thune. Et apparemment rien d'autre par là. Par contre, est-ce que c'est genre on peut traverser ici? Ah oui. Faudra bien que je refasse le bas. Ah, qu'est-ce que c'est? Ouh, il y a un piège. Est-ce qu'il y a des ennemis? Oui. Vous êtes débile. Est-ce qu'on peut le dire? Sincèrement. Est-ce que c'est si difficile que ça, coder intelligence artificielle n'est égal à pas être des gros débiles? On vient de repérer un piège. Je fais l'action de... comment dire? De désamorcer le piège. Qu'est-ce qui justifie le fait de dire « Oh, il y a des ennemis, bah en fait, il y a l'intelligence artificielle, on va aller dans le piège, on s'en fout. » Bon, c'est pas grave. L'intelligence est artificielle, oui. Au niveau de l'artifice, ça... en effet. On va bien les mettre sur le côté. Oh. Ok. J'ai presque pitié. Bon, les autres sont loin. Tiens, vas-y, Lizzy. C'est toujours l'autre qui le fait. En plus, tu gères. Qu'est-ce qui se passe, ça, gros? Allez. Un solide plan. Et au moment où il va y avoir un boss dedans, je vais moins rigoler. Ok. Ah, j'ai que Lizzy de sélectionner. Tout prendre. Ok. Donc on a découvert un truc par là. Ici. Il n'y a rien de spécial. Un calice en or. Un calice. Et donc ici, il y a le ciel, le soleil et la mer. Et voilà. Et c'est d'ailleurs sur cette découverte absolument incroyable que nous allons conclure cette petite VOD pour réenchaîner tout de suite derrière. Des bisous YouTube, à tout de suite.